nationale. Là. Nous, la journée, je dis, dans le cadre de l'activité que le Consortium Protection a fait, le Consortium Protection réunit l'organisation Concern, Save the Children avec Oxfam et son projet qui est financé par ECHO. Donc, dans le cadre du Consortium, ça, nous travaillons en pile avec l'organisation de base, nous avons plusieurs groupes de femmes et plusieurs centres d'accueil tout que nous aider. Qui dans 5 communes dans Port-au-Prince. Donc, je vous ai choisi la zone Matissan parce que c'est une zone côté que principalement concerne tout. Tu as commencé à faire un pile travail depuis 2010 dans le cadre et tremblement de terre. Là. Et nous continuons à faire travail de protection dans la zone dans tout. Et dans le cadre de ça, nous choisi CFF tout comme une institution qui toujours collabore ensemble avec nous depuis une grande activité qu'on a fait. Donc, je vous dis, nous là pour célébrer la journée national mouvement femmes haïtiennes qui c'est une date très importante pour mouvement femmes en Haïti. C'est vrai que c'est pas une date qui vraiment exactement médiatisé. Donc nous avons choisi journée aujourd'hui pour nous faire activer ça pour nous capables de mettre de l'avant et montrer vraiment qui travaille qui était fait dans le passé par en pile organisation donc Sofa qui là ensemble avec nous pour vraiment montrer juste qui côté nous arrivons journée aujourd'hui dans le mouvement femme et qui notre travail tout qui était pour faire et nous réunions pile l'autre organisation qui pas forcément au même niveau avec Sofa ou Kaifan mais qui au moins journée aujourd'hui dans le même espace et capable échanger expérience. Trois ONG internationales qui forment l'I et nous tous les trois nous avons des partenaires sur 5 communes que nous travaillons ensemble avec eux. Donc, les gens qui soutiennent eux, c'est des groupements de femmes ou encore des organisations de jeunes, mais ce n'est pas forcément un consortium de groupements de femmes en tant que tel. Donc, le consortium, dans son façon pour nous capables de dire, trois organisations internationales mettent ensemble pour travailler dans le domaine de protection et faire en sorte que nous venons former un réseau pour que le travail qu'on a fait n'est pas vraiment éparpillé, mais que l'I vraiment qui tombe bagage qui solide. Nous faisons plusieurs activités, que c'est 8 mars, que c'est 16 jours d'activisme. Mais pour 3 avril, là, effectivement, c'est la première fois que le consortium a décidé de faire une activité dans le jour ça parce que nous avons jugé que c'est une date qui méritait vraiment une certaine visibilité. Et il y a un pile de jeunes qui n'est pas au courant de comment le mouvement femme est vraiment mobilisé en Haïti depuis les années 1957 jusqu'à nos jours. Il y a des moments côté que l'activité a été campée sous le régime du Valier, mais en 1986, il y a l'autre mobilisation qui fait que je viens aujourd'hui à nous là. Et nous avons gardé bien, il y a plusieurs organisations qui donnaient depuis le ça et qui font un bon travail. Et c'est ça que nous devons démontrer aujourd'hui. C'est vrai, c'est journée nationale mouvement femmes haïtiennes, mais dit que c'est une journée côté que ni femmes ni garçons sont capables de réunir pour vraiment montrer qu'il tue pays nous, montrer la réalisation que nous-mêmes nous sommes capables de faire dans le pays. Il y a une pile valeur qui vraiment disparaître, de manger que moun ba manger encore. Mais même moi, comme on vraiment en manifestation culturelle dans la joie, mais en même temps, on a montré vraiment qui travaille, que nous devons continuer à faire pour droit femmes respecter et garçons là derrière nous pour nous aider nous avancer dans ce sens.